j'aimerais tout d'abord remercier le Fonds d'art contemporain et en particulier sa présidente, Nathalie Leuenberger, d'avoir accepté donc de marquer dans la durée, par une œuvre d'art, les festivités du bicentenaire du rattachement de Meyrin à Genève et à la Suisse. Un grand merci également à l'artiste Jean-Pierre Braz, un artiste qui vient d'ailleurs, mais qui est depuis quelque temps déjà un artiste d'ici, un artiste que nous avons pleinement adopté et qui est parfaitement intégré. D'ailleurs, la meilleure preuve de cette intégration est l'œuvre qu'il a réalisée pour exprimer l'événement majeur de notre commune en 2016, le bicentenaire. Et alors que nous, la grande majorité des Mérinois, pensions venir d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui considérés, ici comme ailleurs, comme des gens d'ici. Combien de Mérinois me disent « autrefois, chez moi, c'était ailleurs, et petit à petit, c'est devenu ici ». Meyrin, petit village, Madame le maire l'a rappelé, petit village de 609 habitants, était longtemps ailleurs jusqu'à ce que les grandes puissances décident, il y a 200 ans, que Meyrin serait désormais ici. Comment représenter et visualiser le temps qui passe? Sinon en dessinant un fil ou une ligne qui part d'ailleurs dans le temps et qui arrive ici, dans le présent. Ne dit-on pas que de chemin parcouru en 200 ans d'histoire mérinoise, du petit village gaulois à la cité de la diversité. Nous avons fait cet après-midi un parcours dans le temps en suivant l'œuvre parcours de Jean-Pierre Braz qui invite à un voyage ou à une balade dans le temps et dans l'espace public de Meyrin Village à Meyrin Parc, à une flânerie qui interpelle et qui appelle la réflexion sur notre histoire et notre parcours de vie et de ville. Et ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un des multiples événements que nous organisons tout au cours de cette année pour réfléchir sur le sens de ce rattachement et de notre place aujourd'hui en Europe et dans le monde. Et aussi pour recréer, ou pas recréer, mais renforcer les liens qui nous unissent toujours avec nos voisins du pays Gex. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous inaugurons une œuvre que nous avons commandée à l'artiste Jean-Pierre Braz pour marquer durablement ces événements du bicentenaire. Et cette œuvre est une œuvre parcours qui nous fait nous promener de l'ancien Meyrin village, au Meyrin du 21e siècle, qui est la cité de Meyrin, si vous voulez, mais qui exprime aussi que maintenant le centre de Meyrin n'est plus au village, mais le centre de Meyrin se répand sur un espace géographique beaucoup plus grand qui va du village à la cité, mais qui réunit et qui rassemble aussi d'autres quartiers comme Cointrin, comme Mathenien et comme le futur écoquartier des Vergers. Et que finalement, tous ceux qui composent cette ville sont des gens d'ici et d'ailleurs. Et que nous sommes tous, quelque part, d'ici et d'ailleurs. Et que par conséquent, nous formons tous partie d'une communauté de destin. Maintenant, on va s'engager dans cette allée qui conduit vers la place des cinq continents. Oui, cette balade, en fait, incite à la réflexion, à se poser la question aussi de nos multiples identités. On est à la fois d'ici et d'ailleurs, donc ça interpelle, c'est le cas pour tous les Mérinois qui disent « autrefois, chez moi, c'était ailleurs, mais aujourd'hui, quand je vais chez moi, ils me considèrent comme quelqu'un d'ailleurs, donc finalement, chez moi, maintenant, c'est ici ». Vous voyez, c'est toutes ces réflexions qu'on a régulièrement à Meyrin. Peut-être que vous-même, qui venez d'ailleurs, quand vous retournez dans ce qui était autrefois chez vous, on vous dit « tiens, voilà le Suisse qui arrive ». Et c'est ça que vivent de très très nombreux Mérinois. Et ce qui est très important, même si certains encore, esprit parfois un peu fermé, les considèrent comme des gens d'ailleurs, alors que ça fait longtemps que ce sont des gens d'ici. Le parcours qui a été choisi n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'il part effectivement du Meyrin historique, si vous voulez, et puis qui traverse notamment une porte
qui est la porte que nous ont offert les habitants de Sint Maarten, une commune roumaine, mais habitée par des Hongrois, en fait. Ensuite, vous êtes passé par le Jardin des Disparus, qui est aussi un lieu extrêmement important parce que plusieurs familles mérinoises ont connu la disparition forcée de proches. Et quand ils sont arrivés ici, ont eu le besoin, comme ils n'avaient pas de lieu où ensevelir leurs proches, puisqu'ils avaient disparu, ont eu la volonté de poser quelque chose qui marquait leur histoire et leur vie. Ensuite, vous avez continué, vous êtes arrivé à la place des cinq continents. Lorsque Mérin, et ça a été d'ailleurs un choix partagé à travers une consultation populaire, a décidé d'appeler cette place devant le centre commercial, à côté de la mairie et du théâtre Forum, Place des Cinq Continents, c'était aussi une manière d'afficher cette diversité. Et puis finalement, vous arrivez à Mérin Park, et ce tableau d'orientation qui termine ce parcours, en fait, vous invite à regarder ailleurs, c'est-à-dire au-delà de notre frontière.